Daniel, j'ai reçu un message comme quoi tu faisais gagner des iPhones à tous tes fans. Ah bon? Je sais pas, j'ai rien fait. Alors, je te jure, vous te collez là. Je sais même pas me servir de mon ton au téléphone. Mais je sais que c'est pas toi, Daniel. Ah bon? Mais il y a des gens qui tombent dans le panneau et qui pensent que c'est toi. Ah bon? Ah, je vous jure, les enfants, je ne fais pas gagner d'iPhone. Ça veut dire qu'il y a des gens qui usurpent mon identité. Oui. Mais c'est dégueulasse. Voleur, va. Il y a des craintes, on a des connaissances. On va te retrouver. Oui. On fait pas de mal à mes fans, moi, espèce de gros. C'est osé ça, Daniel. Ah, entre nous, ouais. Si tu faisais gagner des iPhones, ah, ouais. Tu changerais ton téléphone de merde. Oh, c'est pas un téléphone de merde, c'est un téléphone pour dire allô. Ne n'achetez rien à des personnes qui ne sont pas en studio Daniel. Les vrais comptes, c'est studio Daniel. Et un badge bleu comme ça. Ah non, dis pas parce qu'ils vont nous copier. Mais non, ils vont pas nous copier. Si, si. Non, ils auront pas le badge bleu. Voilà. Toi, t'as le badge bleu parce que tu voilà. Es une. Une star. Ils en ont acheté les gens. Ouais, y a des gens un peu bêtes. Et alors, ils ont dit que c'était ma faute. Bah, il y en a qui pensent que c'est ta faute alors que c'est pas toi. Oh non, ils vont plus m'aimer alors. On peut aller voir les flics avec, hein. Tu vas dire quoi quand t'arrives au commissariat? Bien, bonjour, monsieur le policier. Voilà, pendant le mois de juillet, on m'a arnaqué mon usurpation et je vais porter plainte contre ce pirate. Mais celui qui prend mon identité, je vais être grossière. Attention à sa gueule. Si je le taupe, je lui fous ma main dans la gueule. Je vous appelle concernant un jeu concours auquel j'ai participé via la page Facebook Daniel Arthur. Sauf que j'ai reçu une facture de 220 euros. Merci de me rappeler pour régler ce problème rapidement. Dans le cas contraire, je serai obligée de porter plainte suite à cette arnaque.